Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu avec la gel plate, jelly plate. Je pense qu'en français on dit aussi presse à gel. Celle-là, je l'ai faite moi-même en fait. Elle a plus de 4 ans, je pense. Mais on va faire une ensemble aujourd'hui. Sinon, on peut l'acheter aussi dans le commerce. Bah, dans le commerce ou dans les magasins de loisirs créatifs. On peut l'acheter, il y a des différentes tailles. Ça, c'est à peu près une taille, ça doit faire 10 cm x 15 cm à peu près. On va faire une plus petite. Et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Là, je la garde entre deux morceaux de rhodoïde. Et c'est comme ça que j'ai pu la conserver pendant tout ce temps. De toute façon, vous allez voir que si elle se casse ou elle s'abîme, on peut la récupérer en la passant au micro-ondes. Là, j'ai pris ces contenants là pour faire celle qu'on va faire ensemble. L'idéal, c'est que ce soit quelque chose en verre assez plat pour qu'on n'ait pas de traces parce qu'on va faire... C'est une gélatine qui est faite en fait avec de la gélatine en poudre, un peu de glycérine et de l'eau simplement. Alors, vous voyez, je prends de la gélatine en poudre. Je vais faire un tout petit peu, je vais faire une petite d'à peu près 30 cm carrés. Alors, ça dépend de la quantité. Si vous voulez une grande pour faire plutôt de pages scrap comme ça, vous aurez besoin de plus de gélatine. Avec 3 sachets, on fait à peu près 2 cuillères, de grandes cuillères de gélatine. Et les proportions, c'est 2 cuillères de gélatine pour une demi-tasse de glycérine et une demi-tasse d'eau. On va mélanger tout ça et on va passer ça un tout petit peu au micro-ondes et après on va laisser prendre. Si vous voulez, je vous dis, si vous voulez une grande d'à peu près, je ne sais pas, un peu, je ne sais pas, 20 x 20, vous multipliez ça par 3. La glycérine, vous la trouvez, j'imagine qu'en pharmacie, je n'ai pas essayé. Sinon, sur Internet, sur Amazon, je vais vous laisser quelques liens. Elle est super utile. Je pense que je vais faire une vidéo un de ces jours qu'avec les utilisations en loisirs créatifs pour la glycérine. On peut faire beaucoup de choses avec. Là, je fais simplement un petit mélange. Et vous allez voir, après je vais mettre ça au micro-ondes et ça va fondre tranquillement. Et après, on va laisser prendre. Je vais attendre une journée. Ça, cette vidéo, en fait... Je l'ai fait un jour à l'avance et pour laisser bien prendre ma gélatine et après pouvoir la démouler et vous montrer ce qu'on peut faire avec. Bien sûr, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Là, c'est rond parce que j'avais ces moules ronds. Vous pouvez faire carré. L'idéal, c'est d'avoir une carré, une rectangulaire. Mais aussi, vous pourrez la couper si vous avez besoin. Vous allez voir après que j'ai fait des petites découpes. Là, je l'ai mis au micro-ondes. C'est un peu chaud. Je voulais vous montrer, c'est un peu plus... on voit que c'est bien fondu la poudre. J'essaie de chasser un peu les bulles. Et simplement, je laissais prendre une journée. Pas besoin d'aller au frigo, simplement à température ambiante. Ça va prendre et après, on va pouvoir la démouler sans problème et l'utiliser. D'ici demain, normalement... On va voir ce que ça donne, de toute façon, je vais voir le reflet de mon trépied. On n'avait pas vu ça. Alors, j'enlève et je laisse reposer. Alors, pour travailler avec la jelly plate, c'est très important parce qu'on va utiliser des pochoirs, de la peinture. Et c'est très important pour pas, ou des tampons aussi, pour tout ce qu'on va utiliser. Vous ne voulez pas l'abîmer surtout. La peinture acrylique, elle se colle. Sinon, on va tout abîmer. Moi, j'ai un tout, j'essaie cette bassine avec de l'eau chaude, tiède ou chaude, à côté. De toute façon, elle se refroidit après parce que ça, on peut travailler ça pendant des heures. Je l'ai à côté pour mettre tout ce que j'utilise. Alors là, c'est la plaque que je vous dis. C'est une vieille plaque qui date
de plus de 4 ans, elle est encore là. Vous allez voir après qu'elle va se casser, mais on va la récupérer. Ça, c'est très important. Mais on va voir tout ça ensemble. On va prendre de la peinture acrylique, la marque que vous avez. Et après, c'est très important d'avoir un petit rouleau. Ce rouleau-là, je l'ai depuis longtemps. J'imagine que vous trouvez ça aussi dans le magasin de loisirs créatifs, c'est sûr. Sur Amazon aussi. Sur AliExpress, j'ai vu aussi. Je vous laisserai les liens de ce que je trouve. Du papier, pas mal de papier. Déjà, papier carte, parce que moi, je vais faire des cartes. Sinon, vous pouvez vous papier scrap ou papier plus grand. Et aussi des papiers brouillons, parce qu'on va beaucoup salir, beaucoup avoir besoin de nettoyer le rouleau. Alors, voilà, je commence simplement. Si on met peu de peinture, la peinture, elle va rester plutôt sur le rouleau que sur le gel plate. Il faut mettre assez de peinture. Mais là, justement, l'effet que je voulais, c'était ça. Laisser un tout petit peu de peinture blanche et regardez comme il y a un morceau où il y a la pâte, il y a un tout petit peu de peinture bleue, mais presque transparent. Et pour cet effet-là, je voulais faire un style mur et ça fonctionne parfaitement. Mais vous allez voir, il ne faut pas appuyer très très fort non plus la peinture avec le rouleau. Il faut mettre assez de peinture parce que sinon... Le rouleau, il peut se coller à la gélatine et vous resterez avec de la gélatine sur le rouleau. J'imagine que ça n'arrive pas avec la planche qu'on achète, mais comme la nôtre, elle est faite maison, bah, elle n'est pas parfaite non plus. Regardez les impressions. Alors, on peut faire 3 impressions ou plus. Là, il y a de la peinture sur le pochoir. Je peux utiliser le pochoir. Là, j'utilise les restes. Alors, c'était une deuxième impression. Et là, ça dépend, on peut s'amuser 1000 fois parce que là, bah, aussi les possibilités sont illimitées. On peut jouer avec les pochoirs, on peut mettre des couches et des couches parce que je peux revenir sur ma première impression, remettre une autre couleur et remettre encore une autre impression. Alors, c'est à vous de jouer. Il y a aussi plein de vidéos, je vous conseille d'aller voir un peu des vidéos de tout ce qu'on peut faire. On peut laisser sécher et venir retirer après la peinture avec une autre couleur derrière. J'ai vu des filles qui mettent des photos des magazines. Regardez là, je vous montre comme c'est coupé simplement. Alors, c'est cassé, c'est pas grave. Je vais la remettre au micro-ondes. Là, c'est la vieille que j'avais parce que l'autre, elle repose. Je vais la mettre au micro-ondes, je vais la faire fondre et on aura une toute neuve, un peu plus épaisse en fait. Parce que là, le contenant, il est un peu plus petit que le contenant qu'on avait avant. Là, je vais laisser sécher, vous verrez après que je vais l'enlever. Là, je vais le laisser sécher. Et simplement, je vais les coller gentiment les bords. Regardez, ça se colle parfaitement. Il y a un petit bord, mais j'ai une nouvelle plaque et c'est avec celle-là aussi qu'on va continuer notre travail. Là, je vais, comme je vous dis, je l'arrange entre deux bouts de rhodoïde. Elle va dans mon armoire et pas de problème. Je vous disais, il y a des filles aussi qui mettent des photos de magazines et font des choses magnifiques. Je vais vous laisser quelques adresses. Des sites que je connais, des vidéos que je connais, des filles qui font des merveilles avec ça. Là, c'est l'autre plaque ronde. Là, je la décolle. J'ai eu un peu plus de mal à décoller celle-là. Mais bon, je suis arrivée quand même. Et là, bah, il n'y avait pas de la vidéo, mais bon, là, je l'ai décollée. Et là, je prends des moules à gâteaux. J'aime aussi beaucoup faire des gâteaux décorés. Et là, je vais prendre mes moules. Je voulais essayer si ça fonctionnait pour essayer d'avoir style tampon avec des formes. Je ne pourrais pas vous montrer tous mes exemples aujourd'hui, mais je vais vous montrer quelques-uns quand même. Quelques cartes à la fin que j'ai fait avec tous ces bouts de gélatine là.
Là, j'ai fait un rond, une fleur. J'ai fait aussi une feuille. Après, je pense que je vais refondre ça et faire un carré aussi. J'aimerais bien avoir un petit carré. Je les mets dans des petits bouts de rhodoïde. Et c'est bon pour l'utilisation. Et si vous en avez assez encore, je remets ça à fondre et ça fonctionne à nouveau. C'est magnifique. Alors regardez, si je vous montre quelques-uns de mes exemples, là j'ai mis trois couleurs différentes en ligne. Je les mélange un peu avec le rouleau. Là à côté, je retire un peu de couleur. Et c'est très intéressant parce qu'on peut utiliser aussi ce côté-là. Il y a rien ne se perd avec ces techniques-là. Parce que j'ai fait aussi avec des cartes avec les bouts de peinture que je retire en fait de ma gel plate. Alors j'ai mis un pochoir, ce sont des pochoirs, ces pochoirs-là c'était un pochoir action. J'ai retiré un peu, mais après je me rappelle que je peux retirer en fait avec le papier, un bout de papier tout simplement. Alors je retire un peu de couleur avec le papier parce que, regardez là, alors je peux faire deux impressions. Un avec la couleur qui est sur le pochoir. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour être sûr que la couleur elle va partir. Là je vais mettre du rouleau pour bien essayer que la couleur passe. Regardez mon impression. J'aime beaucoup. Et j'ai encore l'impression que je peux faire avec la plaque de gélatine. J'aurai une deuxième impression. Et là, je vous montre aussi qu'on a un joli fond. Là, il y a des fonds dans toutes les couleurs que j'ai pris. Au lieu de nettoyer sur une feuille brouillon, vous nettoyez sur un morceau de carte. Et vous pouvez aussi faire quelque chose avec après. Là, j'ai ma deuxième impression. Et on fera une carte avec après. Pour nettoyer, soit on prend un papier blanc, soit avec de l'eau, soit avec des lingettes, soit aussi on met un peu de peinture, simplement beaucoup de peinture, et ça va se nettoyer. Là, je fais avec le rond qu'on a vu avant. Je voulais vous montrer un de mes exemples. J'ai une tonne d'exemples et je vais continuer parce que là encore, c'est quelque chose que quand on commence, on veut essayer beaucoup de choses et une journée, deux journées ne suffisent pas pour tout essayer. Là, vous allez voir aussi, je fais une carte avec la peinture que je retire et j'ai beaucoup aimé. Là, je mets un pochoir directement et je prends une impression. Et après, je vais découper ça et je vais faire une carte avec aussi. En fait, c'est une de mes cartes préférées. On ne sait jamais ce qu'on aura, si ça va être bon, si ça ne va pas être bon. Mais c'est parti du jeu. Et on apprend à chaque fois. Regardez. Là, j'ai mis mon bout de pochoir et j'aime beaucoup tout ce qu'on peut faire pour du mix média. On peut faire des couches et des couches. Moi, ici, je voulais simplement vous montrer les basiques de la plaque de gélatine. Mais il y a beaucoup de... Là, je sais avec un tampon. C'était pas super parce que mes couleurs elles étaient claires. Alors en haut, alors le tampon, il faut peut-être faire avec des couleurs un peu plus fortes. Mais oui, on réussit à avoir une image du tampon. Regardez, on verra après. J'essaye de... L'image elle est pas parfaite, mais on réussit. Alors pour le mix média, je vous dis, ça c'est magique. Regardez. Ça va un peu vite, mais bon, là j'essaie encore une autre fois, mais bon, il y a presque rien. Et là, jusqu'à nettoyer simplement mon petit bout de gélatine. Là, je vous montre tout ce qu'on a fait avec la même peinture. On peut faire plusieurs choses. Là, simplement, alors j'essaie de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Là, c'est avec un reste, en fait, que j'ai mis après un dye. Ça, ce sont des restes. Ça aussi, ça a des impressions qu'on a fait pas super.
Là, je pense que je vais découper quelque chose ou mettre quelque chose blanc dessus. Avec tout ça, je n'ai pas fait des cartes. On peut encore remettre une deuxième couche. Là, je déciderai après qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Je me suis amusée pas mal. Mais après, je vous montre les fonds avec lesquels j'ai fait des cartes. J'ai fait quelques cartes. Je vous dis après, il me manque encore plein de cartes à faire. Celle-là, hyper simple. C'est simplement un pochoir, pas beaucoup, une seule couleur. C'est une couleur dorée. Et j'ai beaucoup aimé. Presque toutes les cartes que je vous présente aujourd'hui sont faites avec le papier vélin de chez Action. Celle-là, on l'a vu, on l'a fait ensemble le fond avec les mouettes. J'ai mis simplement, ça me fait penser à l'été, à la plage. Alors, j'ai mis ce petit message en relation avec l'été. Celle-là, je ne l'ai pas en vidéo. Je vais vous montrer une technique que je n'ai pas tout à fait encore, je ne domine pas trop. Mais après, on la verra. Où on met une couche, comme je vous dis, on la fait sécher. Et après, on met une autre couleur. Mais il faut attendre entre une couche et une deuxième. Et on peut avoir des jolies impressions plus élaborées. De toute façon, là, les couleurs que j'ai choisies, ce n'est pas mes couleurs préférées. Cette carte, c'est pas ma préférée. Mais bon, je vous montre tout ce que j'ai fait. Celle-là, c'est avec des oranges jaunes un peu foncées. Et un pochoir. C'est pour ça qu'il y a des bouts blancs. Celle-là, regardez, c'est celle qu'on a vue, là, qu'on a fait ensemble. J'ai beaucoup aimé, j'ai découpé le rond avec un die. Et après, j'ai mis un die avec la boisson. Et là, c'était où je nettoyais mon rouleau. Et je nettoyais aussi le pochoir. Et regardez, finalement, je l'ai utilisé comme un fond de carte. Et j'ai beaucoup aimé cette carte, ces couleurs. C'est quelque chose de unique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter. Et je trouve que c'est original, c'est différent. Celle-là, finalement, j'aime beaucoup. Et les enveloppes, elles sont décorées très, très, très simplement parce que bah, vraiment, on veut que l'attention soit vraiment sur le fond des cartes. Celle-là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est ma préférée, en fait. Là, j'ai mis de Glossy Accents pour l'enveloppe. Alors, il faut que je fasse attention. C'est la première qu'on a faite. Très, très simple. Avec un pochoir et simplement deux couleurs. Et je trouve que ça donne vraiment l'idée d'un mur un peu sans peinture. Mais j'espère que vous allez aimer, que vous avez aimé ça, que vous avez essayé, que vous allez essayer, pardon. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. J'espère voir vos pouces bleus, vos commentaires. Et merci beaucoup pour tous les gentils commentaires pour le mini-album. On va faire un tuto bientôt, j'espère. Gros bisous, ciao, ciao!